Galloper. Voilà, notre auteur qui vont se ranger derrière les ailes de sa star. On se rappelle que Zatifa, hein, quand même, avait fait une petite boulette lors de sa seule contre-performance lors de ses 10 dernières tentatives. Les 9 autres s'étant soldées par des victoires. Jean Botonic rejoint également l'autostart. Tahiti Vic également. Et les voilà qui sont derrière la voiture. Michel Rey sur l'auto. Prêt à donner le départ. La voiture qui commence à accélérer progressivement et qui ne va pas tarder à libérer les protagonistes de cette compétition. On part très vite généralement avec Cordero. On va voir si ça va être le cas. Et oui, Cordero qui s'élance très très vite côté corps des Atifa a assuré ses premiers mètres de course. On est malheureusement au galop avec le numéro 2, Classic Love. Les concurrents qui vont aborder le premier virage de cette épreuve. Et on voit que Chambon Tonic tout à l'extérieur fait le forcing pour ne pas rester tout en dehors alors que Henri Turettini a repris les Atifa qui passe à l'arrière-garde. Et c'est le numéro 8, Chambon Tonic qui va s'installer en tête dans le premier virage. Précédent Cordero côté corde. On est là également avec Balzon, Fort Clark qui précède Authentic Amour, Corleone venant ensuite, Tahiti Vic qui est déjà en sixième ou septième position et qui tire quelque peu alors que Corleone se montre fautif à la sortie du premier tournant. Concurrents qui vont passer devant les tribunes, Balzon, Fort Clark qui prend maintenant le meilleur devant Chambon Tonic qui ne veut pas rester dans la corde. Cordero venant ensuite. Tahiti Vic en bon rang. Quant à Ezatifa, elle attend toujours. Cyrus Duca est derrière Tahiti Vic. Course quelque peu décousue pour aborder le passage devant les tribunes. Un tour de l'arrivée. Balzon Fort Clara. Chambon Tonic dirige l'opération alors que Henri Turettini choisit maintenant pour accélérer avec Ezatifa qui va devoir peut-être négocier ce virage à l'extérieur. Ezatifa qui a passé ses rivaux en revue mais qui se retrouve planqué à l'extérieur. Les concurrents qui sont dans le virage, Balzon Fort Clara, le meilleur, Ezatifa qui fait toujours le forcing à l'extérieur avec Chambon Tonic qui est là. On a également Cordero côté corde, Ezatifa qui poursuit sa progression à l'extérieur et qui va tenter de rejoindre Balzon Fort Clara en tête. Tahiti Vic, elle a plutôt un parcours sage au centre du peloton. On est sur trois rangs dans la ligne opposée. Ezatifa qui vient se rabattre maintenant aux côtés de Balzon Fort Clara. Balzon Fort Clara, Ezatifa qui dirige l'opération devant Las Cordero, précédant le numéro 8, Chambon Tonic. Ensuite, on va retrouver le 11, Tahiti Vic, devant Authentic Amour, le numéro 3. On est là ensuite avec Fast and Furious, le 9. On a affaibli quelque peu avec le 10, Sirius du 4, toujours obligé de naviguer à l'extérieur. Les concurrents qui abordent le tournoi final de cette épreuve, un duo composé de Balzon Fort Clara côté corde à son extérieur, trotte la grande favorite Ezatifa. On a Cordero là ce côté corde avec Chambon Tonic le numéro 8 et Tahiti Vic qui n'a pas encore fait un mètre de trop du parcours, qui a toujours eu des dos et qui va tenter de placer sa redoutable pointe de vitesse alors que maintenant Ezatifa prend justement de vitesse Balzon Fort Clara pour pénétrer dans la ligne droite. Ezatifa qui est en tête avec Tahiti Vic qui va progresser maintenant à l'extérieur avec Chambon Tonic qui est là avec Cordero qui lutte également. Et c'est Tahiti Vic qui prend maintenant le meilleur sur Ezatifa. Tahiti Vic à l'extérieur, Ezatifa qui va tenter de revenir à l'inquiéter pour finir, mais Tahiti Vic avait fait l'avantage, le trou à début de la ligne droite. Tahiti Vic le numéro 11 qui file maintenant vers la victoire. Tahiti Vic le numéro 11 qui va s'imposer. La deuxième place sera pour le numéro 7, Ezatifa, la troisième pour Fast and Furious, le numéro 9. Quant à la quatrième place, peut-être pour Corleone, le numéro 4, qui n'a pas été disqualifié sur sa faute et qui est revenu certainement ajuster le numéro.